بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. avec le sourire. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، طلابي طالباتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزنمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tous sans aucune exception, je vous aime, mon Allah. Prends-le comme de la manipulation, prends-le comme du conditionnement, prends-le comme de ce que tu veux, d'accord? Je t'aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala, et je te veux beaucoup de bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je l'ai dit, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour. Bonsoir, bon appétit, bonne révolution, bonne rigueur, bon apaisement, bonne sérénité, bon retour à toi, bon voyage vers toi, bon cheminement, bon ce que tu veux, mon frère, ma sœur, non musulman, partout dans le monde, sache que toi aussi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraternité pour toi, beaucoup d'affection pour toi. Non. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour évoluer vers l'islam? Je sais que vous l'avez déjà commencé depuis quelques années. Je sais. Maintenant, montrez un pas sérieux, d'accord? Vous allez voir que rapidement, l'islam va jaillir dans vos cœurs et dans vos vies et dans votre comportement. Il va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Ça marche? Nous avons des cas de détresse qui me font mal au cœur et qui ne sont pas dignes des musulmans. C'est le cas de nos sœurs qui tombent sur des malheureux, comme Marie. Ces malheureux, là, je parle du cas extrême. Donc, ce sont des gens mauvais de chez mauvais, minables de chez minables, misérables de chez misérables. Oui, mais à mon sens, là, tu donnes des adjectifs. Très bien. Des gens qui ne prient pas, par exemple, musulmans, qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, parfois, qui passent leur temps à faire des injustices, à boire de l'alcool, à boire du vin, chicha, malheur, qui n'ont aucun comportement de bien envers leurs femmes, envers leur famille. Des gens mauvais de chez mauvais. Parfois, il dégage la femme et la sort du foyer familial. Parfois, lui-même dégage. Aucune responsabilité. Et il dit à sa femme, je ne te veux pas, par exemple, ou je quitte et je te quitte, ou beaucoup de choses. Je peux vous raconter des jours et des jours et des nuits et des nuits. Ça, c'est malheureusement, c'est ce qu'on reçoit tout le temps. Ce sont des choses qu'on observe dans les mosquées, dans les émissions islamiques et tout ça. Il lui dit, non, je ne divorce pas. Je ne divorce pas. Donc là, nous sommes en Europe. Beaucoup de femmes ne savent pas quoi faire. Situation très tendue. Donc, je te quitte. Parfois, moi j'ai eu un cas, 3-4 ans minimum. Un autre, la fille s'est rappelée au bout de 6 ans, ça tombe, que son monsieur qui était avec elle, Marie, l'avait quittée. Mais il n'avait jamais prononcé la formule de divorce. 6-7 ans après, il se réveille et quelle est la situation? Si elle s'est mariée, est-ce que c'est halal ou pas le deuxième contrat de mariage? Donc c'est une situation pas simple. Pas simple. Donc normalement, on choisit, on vous l'a tellement dit, on vous le redit encore, on choisit l'homme d'honneur, de religion. Pas sur un paraître. Il y a des choses qui peuvent nous permettre
de voir si l'homme est quelqu'un qui craint Allah ou pas. Il y a des choses qui permettent de le savoir. Donc Allah vous aide à tomber sur des hommes d'honneur et des hommes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand on ne l'a pas fait, on était dans une jahiliya, nous étions dans le péché, on s'est marié avec un homme qui nous a dit « Je t'aime. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. » Ça marche. Il nous a dit ça, oui, je suis tombé amoureux, c'est ça, très bien, on s'est marié, machin. Ou mariage arrangé. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage arrangé? Elle ne veut pas, la famille l'impose, même s'ils n'ont pas le droit, donc ils l'imposent, le cousin se marie avec. Elle se rend compte que c'est une pourriture finie et infinie. Donc, une fois qu'on tombe sur ce type de cas, donc, normalement, tu ne la veux plus, ou toi, tu ne le veux plus, la femme, simple. L'homme dit à son épouse, je te divorce. En anglais, en français, en dialecte, en arabe, en indien, ce que vous voulez, une formule qui veut dire ça, je te divorce. Ça, c'est la chose connue, qu'on a connue dans nos vies, dans nos passés, chez nos amis, chez nos familles, tout ça, simple. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens tellement minables, tellement mauvais, qui ne veulent pas divorcer. Il ne veut pas de vie de couple avec elle, il ne veut, mais juste pour l'embêter, il tombe pile poil dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran, et il a mis en garde. Voilà, c'est un ordre. Il dit ne la laissez pas comme une suspendue. Donc imagine, tu la mets comme ça, la femme, la pauvre, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Mu'allaqa, suspendue. C'est quand tu ne divorces pas. Et dans le Coran, il explique juste pour l'embêter, juste pour faire le mal, pour le mal. Normalement, donc, je conseille d'abord ses frères. Au moins dans ta vie, au moins une occasion dans ta vie, pour une fois dans ta vie, cesse d'être nuisible, d'être mauvais, d'être laid, la laideur. Elle te veut plus, tu la veux plus. Ça, voilà, salam alaikum. Je divorce. Maintenant, moi, je te rappelle qu'on sert ce cas extrême d'hommes minablement minables qui paieront. Ne t'inquiète pas, ma soeur, ils paieront. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas. Déjà eux-mêmes, ils payent. Déjà, par leur présence sur Terre, déjà, c'est un paiement, machallah. Tu vois comment ils sont. Dans ce cas, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? La synthèse des synthèses de tout ce qui circule. Malheureusement, quand je vois ce qui se passe en Inde, il y a tellement de choses, et les femmes sont en détresse totale. La synthèse, c'est quoi? Dans les pays musulmans, quoi qu'il se confie, on va voir le juge. Et je parle d'un mariage civil ou islamique ou civil, où cette partie qui pose vraiment problème. La première partie, simple, il lance le divorce avocat, ça règle le problème, le contrat est là, ça prend office aussi de talaq islam. Ah oui, non, ça prend office. Mais même pas ça que je. Moi, je parle d'un mariage, on parle de la problématique islamique du mariage et du divorce. Qu'est-ce qu'elle fait? La femme qui a un mari qui refuse de divorcer, il ne fait rien, il est mauvais, il est minable, il est presque kafir, pour quelques savants, il ne prie pas, il est kafir. Et ici, et ça, elle ne le veut plus, parce que aussi, hein, elle peut ne pas l'aimer. Il est bien, il est tout ce que tu veux, elle ne le veut pas. C'est dans son droit de divorcer. Non, elle ne l'aime pas. D'accord? Et ça s'est produit à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui est venue le voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit je ne le veux plus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas posé la question pourquoi, pour ci, pour ça. Souvent, il y a des femmes qui sont venues le voir pour des raisons précises. Celle-là, elle n'a pas donné de raison. Mohammed n'a pas posé de question. D'accord? Tu lui donnes ça, d'autres, ce qu'il t'a donné, et c'est bon. C'est réglé. Donc ça, c'est pas un talaq qu'on appelle ça. C'est pas un talaq. Ça, c'est un khuleur. C'est vrai qu'il, moi, ça fait longtemps que je connais l'histoire, mais je n'aimais pas trop parler de ça. Mais il faut quand même dire aux gens ce qui se passe dans la région d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a quand même des cas extrêmes. Le khuleur, on appelle ça le khuleur. Donc, l'homme musulman peut faire le divorce, un peu divorcé, la femme musulmane peut faire ce qu'on appelle le khuleur. C'est quoi? Dans les États musulmans, elle va voir le juge, elle lui dit, voilà, je vais faire le khuleur. Donc, le juge vérifie pas mal de choses, la dot, elle la redonne au mari, et elle est finie. Contrat de mariage fini. En Europe, comment on fait?
puisqu'il n'y a pas de juge. Là, c'est un conseil pour les mosquées aussi, pour ceux de la Darwa, pour ceux-là. Normalement, dans chaque mosquée, il doit y avoir un service qui règle et qui gère ce type de problème. La femme va venir, elle va dire, voilà. Elle va dire, mon mari, malheureux, mauvais, minable, misérable, il me frappe, il est violent, il est ici. Ou, je ne l'aime pas, je ne le veux plus. Il me pompe la vie, il me complique la vie, il ne veut pas lancer le divorce, le mot, donc il va me bloquer à vie. Je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais rien faire, moi je veux ma liberté. Très bien. Donc, la mosquée doit faire quoi? Bon, d'abord, il doit conseiller cette dame d'intervenir, de faire intervenir quelqu'un qui a de l'influence sur le mari. Son père, son oncle, un meilleur ami, un imam, pour le conseiller, allez, parle-leur, divorce là, s'il te plaît. On utilise cette première chose. On essaie, on conseille, même la mosquée peut envoyer une équipe de personnes, toquer chez lui, Wahi Jazik, cette femme, arrête la chouma, arrête la honte, elle te veut pas. On peut essayer de réconcilier entre vous, mais si elle ne veut pas, il n'y a rien à faire, elle ne veut pas. Elle rendra des comptes devant Allah si elle demande du divorce pour une raison non valable, elle ne te veut pas. Voilà. À ce moment-là, si lui continue à refuser, à continue à dire au monde, je suis l'homme le plus minable au monde, le plus misérable au monde, le plus méchant, le plus nuisible, le plus mauvais. À ce moment-là, simple. Ce comité de la mosquée, constitué de l'imam, du président de l'association, des gens connus, reconnus par un excellent comportement, par un déploiement, mashallah, respectable, respectueux, ils peuvent faire office de cette structure qu'on n'a pas en Europe. Et qui va faire quoi? Qui va opérer, qui va faire la petite enquête, qui va poser les questions, qui va, pour faire aboutir le relais, pour débarrasser cette femme de cette pourriture d'homme. D'accord? Donc, les mes soeurs, arrêtez d'être dans la détresse. Mes frères jeunes, mes frères moins jeunes, mes frères vieux, commencez, s'il vous plaît, à vérifier, bon, au niveau local, si dans vos mosquées, il y a ce type de choses. Et normalement, les imams doivent prendre en charge, doivent enfin commencer à être responsables. Être imam dans une mosquée, c'est pas que lire un peu le Coran, y faire un peu la prière et tout. Non, l'imam, c'est l'âme du quartier, l'âme de la ville, la sagesse de la ville. D'accord? Celui qui va essayer de calmer, de réconcilier, mais dans les cas extrêmes, soit il va aider à un aboutissement du divorce, en conseillant cet homme qui refuse, soit même il va aider à réconcilier cette famille, parce que parfois ils s'aiment, ils ont de bonnes choses en commun, ils ont des enfants en commun, ils ont pas mal de choses. Donc cet imam-là va essayer de réconcilier pour la première fois, deuxième fois, troisième fois. Et quand la dame lui dit je ne le veux plus, lui quand il ne me veut pas, il me dit je dis bon, simple, mais moi je ne le veux plus. Il y a une dame qui est venue voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire le sexe de mon mari est tout petit. Eh oui, sexe de mon mari tout petit. Ah, et tu peux divorcer? Oui, non, elle peut. Et une autre, j'aime pas mon mari. Tu peux? Non, peut divorcer. Ah non, ce ne sont pas nous des chrétiens qui ont falsifié leur religion, nous. Pas divorce, c'est fini. Divorce et après pédophilie, main dehors. Inceste. Non, 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 peut divorcer. Là, le divorce est comme la blessure. La blessure. Non. Allah n'aime pas divorcer, non. Non, c'est la solution du dernier recours. Imagine qu'on le maintien du couple détruit l'homme, détruit la femme, détruit les enfants. Le divorce est comme l'ablation d'un organe mauvais, qui n'a plus de solution, ni pour l'homme, ni pour la femme. Personne n'est content, personne n'est heureux. Même en étant ensemble, les enfants sont malheureux, des guerres tous les jours, des insultes, des violences, des méchancetés, des bassesses. À ce moment-là, la femme a ce qu'on appelle le rouleur. On n'aime pas trop parler de ça. L'imam. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère d'Internet. Il n'y a plus rien à ne pas dire. Pourquoi tu pouvais passer toute ta vie dans un pays musulman sans entendre parler de cette notion de rouleur? Il y a des gens qui ont passé 70 ans, 80 ans dans les pays musulmans et n'ont jamais entendu le rouleur. Les femmes ne connaissent pas. Quand on parle de cette notion à des gens d'aujourd'hui, des temps modernes, à des femmes des temps modernes, qu'est-ce qui se passe? Il va y voir ce qui s'est passé en Égypte, et dans quelques pays de la péninsule. C'est que chaque femme va partir voir le juge, je veux le dégager. Il m'a donné 1 million, je lui rends 100 millions, il m'a donné 1 000 euros, je lui donne 1 million, je débarrasse, allez, au revoir. D'accord? Ah oui, mais ça va, tu dis que les femmes n'ont pas tête alors? Ah, elles sont mauvaises?
Ah, mais tout le monde est mauvais aujourd'hui, sauf, ben, sauf ceux qui ont la miséricorde d'Allah, la minorité. Mais aujourd'hui, l'homme divorcé, c'est pas pourquoi il dit. Il ne sait même pas pourquoi il s'est marié. Et la femme divorcée demande le divorce, ses parents en justice. Elle ne sait même pas pourquoi elle s'est mariée. D'accord? Mais non, on parle de ces cas de détresse qui nous font mal au cœur, qu'on voit sur Internet, qu'on voit partout, on reçoit. Ah là, il y a des femmes subhanallah, qui sont dans des dépressions. Elles ne savent pas comment faire. Parfois, des années passent sans que lui a prononcé le mot. Ah non. L'islam, alhamdoulilah, il est partout, il est valable partout, n'importe quel coin du monde, qu'il y ait juge ou pas juge, qu'il y ait justice ou pas, il y a des solutions, alhamdoulilah, en islam, parfait. Parmi ces solutions, c'est cette. Et ce n'est pas Mustapha qui l'invente, attention, vous voyez, la fatwa, il existe. Moi-même, depuis quelques années, je disais, il n'y a pas de structure état et de justice, il n'y a pas de sultan dans les pays non musulmans. Donc, je rêvais qu'il y ait des structures. Je disais, ben voilà, va dans ta structure associative, mosquée, parle-leur du cas, ils vont essayer, ils vont essayer. Mais là, la fatwa existe, alhamdoulilah, d'un alim de l'Azhar, et sûrement il y en a d'autres, alhamdoulilah, qui disent que voilà, la mosquée peut faire office pour faciliter l'aboutissement de ce type de choses. Parce que souvent, beaucoup de femmes se marient non civilement, islamiquement, et elles sont cuites à ce moment-là. Et souvent, elles règlent le problème entre elles et lui, m'a montré, m'a pris ma religion, je suis tombée bien heureuse de lui, après elle tombe sur un chétan. Oui, je suis tombée bien heureuse, j'avais 21, lui, il tombe bien heureux, il tombe bien heureux, on s'est marié. 3 ans après, ou un an, un mois après, ou 2 mois après, il lui dit, je dégage, je ne te veux pas, ou même pas ça. Il commence à l'attraper, il commence à boire de l'alcool, à ne pas prier, et il lui dit, en plus, je te divorce pas, juste pour t'embêter, comme ça tu es fini, tu pourras pas te marier, tu pourras rien faire, pas de liberté. Garde la solution, alhamdoulilah, qu'Allah vous bénisse, dans votre religion, il y a la réponse à toutes les problématiques, soyez pieux, quoi qu'il arrive, soyez juste, quoi qu'il arrive, soyez muhsinoun, quoi qu'il arrive, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il arrive. Et toujours rappelez-vous d'un bon système de vie, d'hygiène de vie. Wassulhu khayr. Wassulhu khayr. La réconciliation, sulh. Islah, sulh. Et khayr, un bien. Ça, c'est un verset du Coran. Wa'tamiru baynakum bima'ruf, dit Allah dans un verset. Wa'tamiru baynakum bima'ruf. C'est-à-dire, subhanallah, même dans les cas de divorce, Allah nous sort le verset. Wa'tamiru baynakum bima'ruf. Installez le ma'ruf, installez le bien. Même dans les cas de déchaînement, de querelles, de problèmes, de méchanceté familiale, que chacun manipule pour que tu divorces et tout ça, et que ça part en guerre, mais il y a des cas extrêmes. La femme veut sa liberté, la femme veut pouvoir se marier, la femme veut ne plus être l'épouse de quelqu'un qui n'est plus dans sa vie, qui est parti refaire sa vie, qui fornique à droite et à gauche, qui ment. Je finis avec un autre type de fatwa sur cette problématique qui dit que si jamais la femme, là c'est il y a un juste milieu avant d'arriver à ça, parce que là, si on fait ça, attention, il n'y a plus de conclusion. Mais je dois quand même vous le dire, il y a un autre type de fatwa. Vous savez, vous connaissez ce type de la fatwa. Il existe, alhamdoulilah, il y a beaucoup de savants avec elle, qui dit que de toute façon, à partir du moment où le mari ne prie plus, arrête de prier, il devient automatiquement kafir. Donc le contrat n'est plus de contrat de mariage, automatiquement. D'accord? Donc là, ça c'est un cas qui existe. D'accord? Pour moi, personnellement, il y a un autre type de halak qui ne considère pas qu'il est kafir. Qui est celui qui ne prie pas, il ne considère pas. Sauf s'il dit, je ne reconnais pas la prière. La prière ne m'intéresse pas. D'accord? Je ne veux pas prier. Comme ça, je ne veux pas prier. Ça, c'est kafir. Clair, clair. Mais non, non, il y a des gens, subhanallah, par paresse, par mimétisme, par beaucoup de raisons malheureuses, par mauvaise fréquentation, par flemmardise intellectuelle, spirituelle, morale, par beaucoup de raisons. Mais il reste, il dit, Shadwallah, ilaha illallah. Il croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, en son prophète. Mais malheureusement, il ne traduit pas cette croyance en acte. Donc, imagine si chaque cas de couple où le mari ou l'épouse ne prie plus, il n'y a plus de contrat de mariage, c'est bon, il n'y a plus de couple. Parce que la majorité écrasante des humains d'aujourd'hui, des musulmans d'aujourd'hui, ne prient pas. Il y a une partie aujourd'hui qui ne jeûne même pas. D'accord? Voilà, ça marche?
Approfondissez, s'il vous plaît. Il y a des solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur abououmama@hotmail.com. Abououmama@hotmail.com. Je ne donne pas de fatwa. J'étudie un peu ce qui se dit. J'essaie de comprendre mon contexte. D'accord? Et je rappelle qu'il y a toujours des solutions en islam, même si tu habites dans un endroit où tu es seul, quelque part en Sibérie lointaine. Il y a toujours des solutions, alhamdoulilah, dans l'islam. Ok? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez, partagez et faites des doigts.